Chevalier de l'Ordre national du Québec. Je suis né un peu avant la crise économique, en 26. J'ai 87 ans. Je suis d'une famille aisée, oui, c'est vrai. Mais on a vécu, durant toute la crise économique, les problèmes de la crise économique, nous aussi. En tant que propriétaire de la compagnie Paquette, ça ne rapportait pas gros à ce moment-là. Tous les commerces en arrachaient énormément. Mon père, qui était médecin, directeur de l'hôpital, administrateur, combinait les deux postes, gagnait à ce moment-là 3 000 $ par année. Alors, on ne vivait pas richement, mais on n'a jamais manqué de rien. Bon. Alors, c'est seulement que... À partir de la guerre, que là, on a commencé à avoir une aisance beaucoup plus considérable. Avec la guerre, tout le monde s'est mis au travail. Les usines sont ouvertes partout. Il fallait construire des chars d'assaut, des canons, absolument tout. Je me souviens, dans la baie Saint-Charles, de la rivière Saint-Charles à Québec, on construisait les fameuses corvettes, les petits bateaux de guerre, les corvettes. Alors, c'était vraiment le plein emploi, c'était la prospérité. Mais jusqu'à l'âge de 14 ans, oui, en 40, j'avais 14 ans, on n'a pas vécu dans les Anchines. C'est mon arrière-grand-père qui l'a démarré en 1840 ou 45, quelque chose comme ça, qui l'a démarré. Et ma grand-mère, évidemment, quand son père est mort, bien, elle a hérité de la compagnie. Alors, comme c'était une Paquette, moi, je porte le nom de Lorrain, mais je suis moitié Paquette, moitié Lorrain. Mon père a suivi les chemins de son père lui-même, qui était médecin de campagne au Saule. Et quand mon père a commencé à pratiquer sa médecine, il allait visiter ses clients à dos de cheval, faisait l'équitation. Parce que on n'avait pas d'automobile encore à ce moment-là, c'était au début des années 1900. Et c'était comme ça qu'on vivait. Sur la ferme, sur la maison familiale de mon père, vous savez, c'était des cultivateurs qu'il y avait partout à ce moment-là. Et il payait mon père en espèces, pas en argent. Il arrivait avec des pommes de terre et des choses comme ça. Et même mon père, pour nous nourrir, ils avaient une vache pour qu'on ait le lait. Ils élevaient un cochon, on avait des poules. Et puis, c'est avec ça qu'il comblait le manque à gagner monétaire.
Parce que les médecins ne gagnaient pas grand-chose, les médecins de campagne à ce moment-là. Ils étaient pauvres, ils étaient instruits, mais ils étaient pauvres. Alors, mon père a fait énormément de bénévolat auprès de tous ces cultivateurs-là qui étaient pauvres au début de sa carrière, de sa médecine. Alors, quand il s'est marié, comme je vous ai dit, au début des années, au début de la crise, dans le jour, ma mère prenait les téléphones de la Saint-Vincent-de-Paul disant, il y a telle famille qui a besoin d'avoir un médecin, c'est vraiment urgent. Elle ramassait les téléphones, puis le soir, mon père partait visiter ces familles-là avec sa valise de médicaments, parce que vous savez que les médecins reçoivent énormément de médicaments à domicile, hein, de la part des familles. Alors, même mon père n'a jamais trafiqué ces médicaments-là. Il les donnait à deux endroits, ces familles pauvres et à l'hôpital général, où les pauvres étaient hospitalisés. Alors, nous autres, on l'accompagnait, la famille, dans ses visites le soir. On partait avec lui. Ma mère, mon père, ma sœur, parfois mon frère. Et puis, on l'attendait. Il faisait ses visites, puis on l'attendait dans l'automobile. Bon. Alors, ça, c'est la formation que mon père m'a donnée. J'ai fait mon cours à l'Académie de Québec. Et à l'Académie de Québec, nous avions une harmonie qui était de grande renommée. Donnait des concerts un peu partout. Mais ça a tombé, malheureusement. Alors, en entrant à l'Académie, je me suis immédiatement enregistré dans le secteur de l'harmonie pour apprendre la clarinette. Mais peu de temps après, je suis passé au bois parce que j'aimais beaucoup mieux la sonorité du hautbois que celle de la clarinette. Alors, c'est comme ça que ce sont les frères des écoles chrétiennes à qui je dois toute ma formation musicale et mon goût à la musique. Ça m'a amené au conservatoire, évidemment, parce que à l'harmonie, à l'Académie de Québec, on ne donnait pas des cours de musique avancée. Hein? C'était une harmonie de collège, si vous voulez. Alors là, je suis passé au conservatoire, dès l'ouverture du conservatoire, et c'est là que j'ai fait mon cours de hautbois, et que au même moment, quand les premiers élèves ont gradué, Wilfrid Pelletier a refait l'Orchestre symphonique de Québec avec les nouveaux gradués du conservatoire de la province, de la ville de Québec. Donc, j'ai appliqué puis j'ai eu le poste de bouliste. C'est comme ça que ça a fonctionné. Mais ma vraie vocation, moi, c'est encore musicien. C'est définitivement ça, je peux pas l'effacer de moi. Je trippe encore quand j'entends une pièce de Beethoven ou la symphonie fantastique de Berlioz. Ou l'Écossaise de Mendelssohn, c'est pas possible. Pas possible. C'est vraiment ma vocation. Mais elle a été tuée par un accident. La tuberculose. Puis je n'avais plus le souffle voulu pour continuer. Et deuxièmement, la tuberculose, c'est tout de même assez long à guérir. Alors, un orchestre symphonique ne peut pas se passer d'un oboïste. Alors, celui qui a pris ma place, quand j'ai été guéri, ma place était prise. J'ai dû me recycler à la compagnie Paquette. Je m'occupais du comptoir postal et du commerce extérieur. Bien, tous les grands magasins à ce moment-là vendaient localement dans les Suisses et vendaient par catalogue, vendaient extérieurement aussi. On avait toute notre publicité dans les journaux, dans le soleil. On avait acheté à l'année longue la dernière page du soleil avec des coupons de commande. Alors moi, je m'occupais des ventes extérieures. Mais lorsque je me suis marié, j'ai suivi l'œuvre de mon père. Je me suis enregistré tout de suite dans la Société Saint-Vincent-de-Paul de ma paroisse. J'avais 28 ans à ce moment-là. Et comme tout nouveau qui arrivait à cette Société Saint-Vincent-de-Paul, on lui refilait une colle. Alors j'ai hérité de cette famille-là que la Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse Saint-Louis-de-France à Sainte-Foy avait depuis nombre d'années. Et moi, j'ignorais absolument tout. Quand on me l'a confié, qu'on se la passait l'un à l'autre dès qu'elle arrivait, parce qu'il n'y avait rien à faire avec. Alors, quand j'ai fait les premières visites avec cette famille-là, j'ai constaté une chose, c'est que le problème de base, c'était l'endettement, qui était astronomique. Alors, je me suis mis à regarder
d'une manière la plus empirique possible. C'était pas structurel du tout. Qu'est-ce qui existait pour quelqu'un qui était endetté? Et c'est là que j'ai découvert la loi Lacombe, qu'on appelait comme ça dans le temps, mais son vrai nom, c'est la loi des dépôts volontaires. La loi Lacombe, c'est parce que c'est le député Lacombe qui avait fait passer cette loi-là pour protéger les personnes endettées, pour les protéger contre la saisie. Alors, on l'avait appelé la loi Lacombe au nom du député, mais le vrai nom, c'est la loi des dépôts volontaires. Alors, j'ai fait venir le texte, je l'ai étudié, j'ai regardé qu'est-ce qu'on va faire avec ça, et j'ai proposé à cette famille-là de s'enregistrer sur la loi des dépôts volontaires pour arrêter les lettres de collection, arrêter absolument tout cette pression que les créanciers mettaient sur eux autres. Et ça fonctionnait. Et dans ma rue où je restais, il y avait un employé du provincial, un directeur au niveau des affaires sociales, que je lui ai parlé de cette famille-là. Mais il dit, nous autres, monétairement, on peut l'aider pour quelques mois. On pourrait leur donner 90 $ par mois, peut-être 4-5 mois, pour qu'ils puissent remonter la côte. Alors, ils ont commencé à recevoir de l'aide comme ça. J'ai fait engager ce type-là comme sacristain à notre église. Et on a contrôlé sévèrement les finances, parce qu'ils étaient tout de même rendus à 9 enfants. Puis à tous les ans, il y en avait un qui arrivait. Hein? Ils sont allés jusqu'à 12 enfants. Ça coûtait cher, ça. Hein? Et à un moment donné, j'arrive à ma réunion de la Saint-Vincent-de-Paul, à peu près deux ans et demi après, comme me l'avait confié. Je leur ai dit, cette famille-là n'a plus besoin de notre aide, n'a plus besoin de coupons alimentaires. Hein? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est produit? Bien, je leur ai raconté ce que j'avais fait. Et ils étaient tellement... ils ne voulaient pas le croire. Ils n'avaient plus besoin d'aide alimentaire, qu'ils pouvaient vivre par eux-mêmes. Mais on avait réglé le problème des dettes aussi. C'était ça qui les grugeait au départ. Et chez nous, on avait adopté un étudiant qui était au séminaire de Québec avec mon frère, qui était devenu le cofondateur du ministère de la Famille à Québec, Edgar Gay. C'était un étudiant pauvre, dont le père était ingénieur forestier. 11 ou 12 enfants, le père tuberculeux. 4 ou 5 enfants ont attrapé la tuberculose, dont Edgar Gay l'a attrapé lui aussi. Et c'était mon père qui les soignait et qui l'a suivi. Alors, on l'a adopté, puis il restait chez nous. Alors, quand Edgar Gay, je lui ai raconté ce que je venais de faire avec cette famille-là, il dit, reprends ça, raconte-moi ça à nouveau. Alors, André dit, ça, faut que tu prennes ça, puis qu'on le répande à la grandeur de la province. Parce qu'il était sous-ministre de la famille, puis il voyait tous les désastres de l'endettement, lui aussi. Il était prêt avec. Il n'y avait personne qui avait de solution. Mais moi, j'avais solutionné le problème avec cette famille-là. Alors, il dit, tu vas les rencontrer, tu vas mettre par écrit d'abord ce que tu as fait, ce que j'ai fait. Il dit, je t'organise une rencontre avec le Mouvement des Jardins. Bon. Alors, cette rencontre-là, c'était avec le grand exécutif du Mouvement des Jardins, y compris leur avocat, un avocat Hudon. Une fois que j'ai eu terminé, l'avocat Hudon a dit à tous les membres, le sénateur Vaillancourt, Paul-Émile Girardin, les grands du mouvement, il dit, ce qu'André Lorrain vient de vous présenter, il ce n'est rien comparé à ce que je vois à mon bureau. Le grand conseil des caisses populaires ont décidé que ce n'était pas important, l'endettement des travailleurs, parce que ces travailleurs endettés-là n'étaient pas dans les caisses populaires à ce moment-là. C'était la bourgeoisie, comme vous savez. Et on prêtait à la bourgeoisie parce qu'ils avaient des garanties dans la caisse populaire, mais on ne prêtait pas aux travailleurs parce qu'ils n'avaient pas de garanties, ils n'étaient pas solvables. J'avais préparé un budget familial pour ma famille de Saint-Vincent-de-Paul et qu'ils respectaient scrupuleusement, et c'est ça qui a donné des résultats. Alors, cette feuille-là, le mouvement Desjardins a décidé, m'ont dit en pleine face, ta feuille, André, elle ne vaut pas plus que 2 sous. Ça a été la réponse. Elle ne vaut pas plus que 2 sous. Eh bien là, c'est là que par après, on a créé les caisses d'économie et qu'on a appliqué la feuille à tout le monde parce que chaque travailleur qui venait à la caisse d'économie, on lui préparait son budget avec la feuille puis l'économie qu'il devait faire. Eh bien, les économies ont monté en flèche à un tel point
que lorsque j'ai comparu devant Jacques Parizeau, sa fameuse commission, il n'était pas du tout intéressé par les 1200 pages qu'on leur apportait de notre rapport. Jacques Parizeau était intéressé à une seule chose. « Monsieur Lorrain, comment avez-vous fait pour amasser autant d'argent en si peu de temps? » Il avait en arrière de la tête, lui, sa caisse de dépôt. Alors, cette feuille de 2 sous, elle vaut aujourd'hui, actuellement, au moment où je vous parle, environ 17 milliards de dollars. C'est là qu'Edgar Gay m'a dit, « André, décourage-toi pas. » Il dit, « Tu vas aller rencontrer la CSN chez Jean Marchand. » Edgar Gay a fait ses sciences sociales chez le Père Lévesque, avec Jean Marchand, avec René Lévesque, avec Tremblay de l'éducation. Ce sont tous les premiers élèves du Père Lévesque, ça. C'est toute la première grappe là, de la Révolution tranquille. Alors, ils se connaissaient comme s'ils étaient tous des frères. Ah ben, ouais. Imaginez-vous, on sortait du procès de la Formule Reine à Ottawa, là. Hein? Jean Marchand, c'est un ennemi pour ma famille. Pourquoi? Parce que vous connaissez la Formule Reine? Oui. Bon, ce sont mes parents qui sont allés en Cour suprême avec la Formule Reine. Ah oui. Alors, mes parents, puis Jean Marchand, ben c'était... c'était... Vos parents se sont battus contre... Oui, c'est la compagnie Paquette qui a tenté le procès en Cour suprême. Alors, Gorgay me demandait d'aller rencontrer mon ennemi. Mais c'était un monstre! Ça avait même été enseigné chez nous autour de la table quand on mangeait. C'était un monstre! Et puis le aumônier général de Charles Pichel, c'est un prêtre communiste. Puis le cardinal Villeneuve était pour le dégommer bientôt. Parce que c'était un prêtre rouge. C'était comme ça que j'ai été élevé, c'est dans cette mentalité-là. Jean Marchand ne m'en a jamais parlé. Il m'en a jamais fait allusion. Puis quand j'ai arrivé la poignée de main, tout de suite j'ai vu que c'était pas un monstre, ce gars-là. C'est un gars formidable. Les yeux vifs, là, c'était comme des lumières, tellement que Jean Marchand avait tellement que c'était un génie. Puis il y avait Marcel Pépin avec lui. Il y avait Chalmane Pichette, là, le communiste, là. Chalmane Rouge. Puis il y avait deux ou trois membres du petit exécutif, puis le trésorier de la CSN. Alors, j'aurais fait le même exposé que j'ai fait avec le Mouvement des Jardins. J'ai rajouté un chapitre supplémentaire à ce que je n'avais pas donné à Desjardins, parce que ça ne les concernait pas, puis je n'y avais pas pensé à ce moment-là. C'est que j'ai dit à Jean Marchand, la CSN dépense peut-être, j'avais pas les chiffres à ce moment-là, j'ai supposons que vous dépensez 6 millions par année, qui étaient les revenus de la CSN environ, là, pour préparer des conventions collectives. Vous améliorez dans chaque convention collective 2 secteurs, le secteur monétaire, le secteur des bénéfices. J'ai dit, les bénéfices marginaux, il n'y a pas de problème, vous faites un gain réel. Mais j'ai dit, au niveau monétaire, si moi je vous prouvais que vous faites un recul et non pas une avancée, qu'est-ce que vous diriez? Oh là, le gars intelligent comme il était, là, il m'a demandé des explications. Alors là, j'ai apporté quelques preuves qu'au niveau de l'endettement, à chaque fois que lui, il augmentait le salaire des travailleurs de quelques sous de l'heure, il augmentait le pouvoir d'emprunt de X centaines de dollars au niveau des compagnies de finances. Pas de quelques sous, de X centaines de dollars. Et ce X centaines de dollars qu'il augmentait de pouvoir d'emprunt faisait qu'au bout de la ligne, il y avait un recul à cause des charges d'intérêt monumentales. Alors, chaque gain monétaire se traduisait par un recul véritable. Là, ça le fait réfléchir. Ils ont dit, tu commences lundi matin, c'était un samedi matin, ça. Ils ont dit, tu commences lundi matin, un contrat de 3 mois. Dans le rapport de toi après 3 mois, tous mes cas sont énumérés avec l'endettement, etc. Tout. Très, très, très bien détaillé. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. On travaille, on dépend des sommes énormes, le niveau de vie recule. J'ai sorti le rapport, j'ai jamais eu d'avis de renvoi. En septembre 62, ça a été le congrès biennal de la CSN à l'hôtel Mont-Royal. Et dans un congrès, ben, tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Et là, le groupe du Saguenay venait d'apprendre ce que je venais de faire à Shawinigan avec des travailleurs de la Shawinigan Chemical qui étaient en grève. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait venir dans leur chambre, puis on dit, André, tu vas plus là, tu t'en viens chez nous.
Vous savez, les gars du Saguenay sont sûrs les meilleurs, les plus beaux, les plus fins. Vous les connaissez, hein? Ils sont orgueilleux sans bon sens. Alors, on a cédulé une rencontre pour dimanche matin d'octobre. Et là, ils ont dit, tu t'en viens chez nous, c'est ici que tu travailles, puis on négocie ton affaire avec Jean Marchand, parce que le premier vice-président de la CSN, c'était un dénommé Plourde, qui était le président de l'aluminium à ce moment-là, de la métallurgie. C'était la grosse fédération de la CSN à ce moment-là, très puissant. Alors, quand Adrien Plourde disait de quoi, ça comptait. Alors, je m'en allais au Saguenay. Ils ont dit, nous autres, on a une émission télévisée toutes les demi-heures, d'une demi-heure toutes les semaines, le samedi soir, après le hockey, donc code d'écoute maximale. On te donne la télévision immédiatement. Tu fais ce que tu veux avec. C'est comme ça que ça a déboulé. À une vitesse folle, vraiment folle. Je montrais beaucoup, beaucoup de contrats à la télévision, mais je cachais avec des petits papiers le nom du travailleur. Jamais je dévoile le nom du travailleur. Mais le nom du voleur, lui, je le montrais en gros caractère, veuillez me croire. J'étais baveux, vous savez. C'est que j'aurais dit que ce qu'on avait fait à Shawinigan, les résultats que ça avait donné, ce qu'on avait fait à Québec, les résultats déjà que ça avait donné. Et j'ai dit à mes auditeurs, au Saguenay, on va ouvrir 7 bureaux. Là, on va faire former les équipes du budget familial. Et quand ça sera prêt, à mon émission hebdomadaire, je vous dirai, vous pourrez commencer à venir. Ça, c'était un samedi soir. Le lundi matin, il y avait plus de 250 personnes à la porte de notre bureau d'Arvida avant l'ouverture qui attendaient. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai vu ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aurais demandé, on dit, monsieur, j'ai dit, m'avez-vous écouté pour dire qu'on vous dirait quand on serait prêt? Oui, mais c'est aujourd'hui qu'on se fait saisir. C'est aujourd'hui qu'on va avoir telle menace, etc. On ne peut pas attendre. Vite compagnie de prêt sur 1 000 de distance, la rue principale, la rue Racine de Chicoutimi. Bon, il a tout fait disparaître par asphyxie. Pendant un mois, là, après 2 ans. Alors, comme dans la convention collective d'Arvida, il y avait une clause extraordinaire que pour un besoin syndical assez élargi, il pouvait dégager autant de travailleurs qu'on avait besoin. Tout de suite, Plourde, avec le responsable de l'éducation du Conseil central, ils ont dégagé environ 35 travailleurs d'Arvida qu'on a amenés au sous-sol de notre édifice. Puis j'ai commencé à les former immédiatement. De 8h du matin, on a jusqu'à 10h du soir. 2 journées complètes. Puis après, on a ouvert nos bureaux. Mes cours n'étaient pas écrits. Je vous dis, ça a déboulé tellement vite que j'ai été obligé de travailler d'après la méthode empirique. Il n'y avait rien d'écrit encore. Alors, au conseil central, au conseil régional du Saguenay, on avait 2 secrétaires qui étaient excellentes comme sténographes. Alors, elles étaient en bas, elles prenaient en sténo ce que moi je disais, elles montaient taper ce que j'avais écrit, l'autre prenait la relève. Alors, mes 8 cours se sont écrits comme ça au départ, puis après je les ai perfectionnés, évidemment, jusqu'à la publication du volume, la série des 8 cours sur le budget familial. Et toutes les semaines, tous les samedis matins, on passait la journée au sous-sol où ils m'apportaient les cas qu'ils n'avaient pas pu régler eux-mêmes. Là, je leur disais comment faire. Et ça instruisait les autres. Et après ça, ensemble, ils me disaient, André, voici ce que tu dois apporter à la télévision qu'on vient de découvrir. Alors, on préparait notre émission télévisée en même temps et je l'ai perfectionnée en même temps. C'était très, très, très empirique. Mais ces gars-là sont tellement intelligents. Moi, on dit que les travailleurs sont brillants. Ils sont brillants. Ils ont peut-être pas... Ils développent une intelligence très forte qui compense le manque de degré de scolarité. Ça m'a frappé chez tous les travailleurs. À quel point le raisonnement est fantastique. Minimum qu'on a prouvé hors de tout doute par plus de 200 procès, jurisprudence indestructible que les compagnies de finances ont faites auprès des travailleurs.
3 milliards de dollars d'argent de 1960. C'est à peu près calculé par 10, aujourd'hui c'est 30 milliards. J'ai pu apporter une preuve indestructible que j'ai pas eu peur d'avancer quand j'ai eu la médaille du prix de la justice devant tous les magistrats qui étaient là, devant la ministre de la justice. J'ai de la preuve que j'ai apportée que les travailleurs sont fait voler 3 milliards de dollars minimum n'a jamais été contesté par qui que ce soit. Jamais. Je donnais des cours de formation d'une semaine qu'on a toujours donné, presque toujours, à l'Institut coopératif des Jardins. C'était une semaine complète de formation que je donnais qui était solide. Là, mes cours étaient écrits, ils étaient perfectionnés et ils partaient après ça dans leurs conseils centraux et ça a été efficace. Vous savez à quel point ça a été efficace. Chaque conseil central avait ce qu'on appelle un responsable de l'éducation syndicale. Alors, il relevait du responsable de l'éducation syndicale, mais dans les faits, il relevait de moi. Et moi, j'avais un journal que je publiais toutes les semaines sur les difficultés qu'eux avaient racontées, puis je leur disais comment les solutionner. Alors, je revenais à Québec un jour par semaine, je ramassais tout, j'écrivais mon journal, ma secrétaire l'envoyait à tout le monde. Avec des exemples, comment faire, vous avez raté telle chose, vous auriez dû dire telle chose, procéder de telle manière. Alors ça, j'ai tenu mon journal un an et demi de temps sans jamais le manquer.